Le Mandalab se veut un espace ouvert aux usagers, aux communautés. Un espace ouvert au cœur d'une culture ouverte et qui invite à être partie prenante du mouvement des biens communs. Le Mandalab, c'est un espace de participation citoyenne dont le terrain est celui des technologies à visée sociale. Alors, pourquoi le Mandalab? Bien, tout d'abord, si une chose est claire, c'est que les symboles nous affectent tous profondément et nous unissent la plupart du temps. Le mandala, c'est un thème géométrique qui organise l'information. C'est un symbole transculturel qui anime les visions du monde, qui stimule notre imaginaire et autant que notre réflexivité et qu'on retrouve même dans nos comportements les plus quotidiens. Il nous permet d'abord d'envisager notre réalité avec un regard nouveau qui nous donne à la fois une perspective globale et une perspective locale sur notre existence. Il nous permet de définir notre place, mais aussi notre rapport à l'autre. On bouge en cercle, on participe dans des cercles de communauté, dans des réseaux formels, informels qui sont en soi des mandalas. Un mandala, ça peut aussi être un cercle, comme le soleil ou la lune dans certaines cultures. Par extension, on pourrait dire un environnement, un écosystème et son empreinte sur un territoire. Il peut symboliser l'ancrage physique ou numérique de l'espace que nous voulons rêver aujourd'hui et qui s'épanouira dans notre communauté avec laquelle il prendra toutes ses couleurs. Depuis le début 2010, le Mandalab enracine aussi ses liens à l'échelle internationale en développant des liens notamment avec des laboratoires phares en Europe comme le CityLab, on l'a vu tantôt. Et comme disait Alain, on a reçu récemment l'homologation de l'ENOL, qui est un organisme international d'homologation des Living Labs. Je tenais à vous le partager, c'est une très belle nouvelle. Un mandala représente la complexité des interactions qui définissent notre monde, en fait aussi l'intelligence collective, l'auto-organisation des environnements physiques et humains. L'auto-organisation, c'est un processus important dans un Living Lab parce que l'innovation n'est plus centrée sur le citoyen, elle est portée par le citoyen. Il appelle à la créativité par l'exploration des idées, okay, le partage des idées, la découverte des liens subtils entre ces dernières. Il souligne l'importance de la connectivité comme un processus fondamental, comme une condition sine qua non à l'émergence dans un système vivant, dans un système créatif. Ces notions sont présentes dans la méthodologie qui est mise de l'avant par le Mandalab, en fait un processus qui est fondé d'abord sur des espaces de co-travail qui sont supportés par des méthodes d'animation qui visent l'auto-organisation des groupes, par une démarche ethnographique qui vise la capture de l'innovation émergente et par l'incubation de projets porteurs. Notre objectif principal, c'est accompagner le citoyen dans la construction de son propre mandala technologique, favoriser le passage du statut d'utilisateur à celui d'usager, en fait, des technologies qui constituent son quotidien, par des services qui visent à créer de l'empowerment individuel, de l'empowerment collectif et le réseautage de projets. Le mandala, c'est le cercle, c'est l'œil du monde, mais c'est aussi une structure générique, en fait, qui est intégrée, organisée autour d'un centre unifié. On retrouve partout les mandalas dans tous les secteurs de la science. Les mathématiques, en fait, et les sciences ne sont pas seulement des outils de construction du savoir et de la connaissance, mais aussi des moyens par lesquels on peut construire notre vision du monde. L'opposition apparente qu'il y a, en fait, entre le centre et l'extrémité dans un mandala peut aussi être vue comme la définition d'un équilibre. Un équilibre où on a des forces qui attirent vers l'intérieur, un peu comme l'électron qui gravite autour de l'atome, mais aussi une action centrifuge qui est dirigée vers l'extérieur, donc vers l'extérieur comme la toupie qui tourne sur elle-même. Depuis des millénaires, en fait, les mandalas sont aussi des éléments qui nous permettent de prendre conscience du caractère impermanent du monde dans lequel on vit, qui est en constante mutation, en constante évolution, en constant changement. Un peu à l'image des monuments qu'on érige souvent à la frontière de nos villes et qui, décennie après décennie, se fondent un peu plus dans le tissu urbain. C'est dans cet esprit de mouvance, de transdisciplinarité, de désir d'attirer et d'aller vers l'autre que s'inscrivent les chantiers du Mandalab. Et on parle notamment de chantiers de démocratie participative, de développement durable, d'éducation, de territorialité numérique, de style de vie pour des participants de tous âges et de fabrication numérique. Donc, dans la pétale du chantier de fabrication numérique, nous sommes très heureux de vous annoncer que grâce à l'implication de Waiba Gabli qui est avec nous aujourd'hui, de Guillaume Coulombe qui actuellement est en tournée des Fab Labs en Europe et de Yasmine Ben Latifa qui devait se joindre à nous ce matin,
le possiblement premier Fab Lab au Québec ou un des premiers Fab Labs au Québec. Le projet EcoFab vient d'être homologué par le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, pour la mise en place d'un espace d'expérimentation autour de la fabrication d'objets informationnels et communicants qui s'inscrit dans la foulée du développement du réseau des Fab Labs francophones. Le Mandalab souhaite prendre forme dans un espace physique signifiant qui vous interpelle ce matin. Il s'inscrit également dans un espace en réseau avec d'autres lieux de participation citoyenne en territoire métropolitain déjà mobilisés et d'autres à inspirer. Également, le projet inclut aussi un nouveau modèle d'insertion socio-professionnelle très inspirant pour les personnes déficientes intellectuelles et les personnes ayant un trouble envahissant du développement que notre partenaire Compagnon de Montréal compte développer. Finalement, comprendre le symbolisme original du mandala peut mener non seulement à une grande sensibilisation, à comprendre qu'on peut reproduire des concepts, des idées, à les transmettre, mais aussi ça nous amène à définir, à nous donner un moyen pour favoriser une transformation collective profonde, à la fois de la dimension contemplative et de la dimension utilitaire de nos vies. C'est un peu ce qu'on veut partager avec vous. Donc, pour terminer, nous avons commencé à imaginer des vocations dans cet environnement inspirant. Il peut y avoir un café Internet, des espaces de co-création, des espaces à vocation culturelle. Et nous pensons qu'il y a encore place à beaucoup de rêves pour nous permettre de relever les défis de développer des lieux et des contextes de participation citoyenne, les défis de l'inclusion, les défis du développement durable, de l'économie des biens communs et des technologies à visée sociale. Donc, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation.